le directeur des études et de la planification au ministère de la Défense nationale. Le colonel Hector Essou vient de mourir dans son bureau à Brazzaville. Voici l'information qui a été relayée sur les médias sociaux. Une grossièreté lorsque l'on connaît les dessous de cet effroyable assassinat. D'un règlement de compte entre deux hommes qui avaient depuis un certain moment une différence de point de vue. Je parle ici de Jean-Dominique Okemba et du défunt Hector Essou. Le colonel, comme certains aimaient l'appeler, a été froidement assassiné par étouffement par la milice secrète proche de Denis Sassou Nguesso et de Jean-François Ndenge, dans les locaux où il exerçait ses fonctions. C'est ce qui ressort des indiscrétions que nous avons pu obtenir. Pour ceux qui doutent encore, savez-vous que les bandes d'enregistrement caméra au ministère de la Défense, le jour de son décès, de son assassinat, sont introuvables? Nous avons enquêté. Le colonel Hector Essou, connu pour son franc-parler, commençait à agacer certains milieux proches du crime organisé. Il en savait trop, notamment sur la préparation du drame qui s'est produit au stade d'Ornano. Ce énième assassinat par étouffement nous rappelle le caractère hideux, le caractère macabre de ce régime. Depuis quand un recrutement dans la fonction publique se fait à minuit? Pourquoi avoir regroupé une foule dans un espace clos, sachant qu'un effet de panique provoquerait l'inévitable? Qui a intérêt à dissimuler la vérité sur ce qui s'apparente à un crime rituel? Avons-nous déjà oublié le témoignage poignant et cinglant du colonel Marcel Tsourou sur les exécutions sommaires au beach de Brazzaville? Qui peut penser qu'il ne s'agit pas d'un crime rituel, d'un crime de sacrifice humain, lorsque l'on sait l'heure à laquelle le drame s'est produit? Écoutons le témoignage froid de Marcel Nsourou. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Mbongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Mbongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Mbongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape.